C'est carrément notre fonctionnement pour l'année prochaine. Bon, c'est tout notre budget. Je pense que ça va nous permettre de pérenniser tout, de faire même plus. Beaucoup plus. Parce que des idées, on en a, ça ne Ah manque oui. pas. Il y avait juste le budget qui est coincé, mais là, je pense qu'on est bien. Ça va être, Voilà. Ne pas être stressé par le fait de se dire quel atelier on choisit, lequel on met de côté, lequel on arrête. Voilà, c'est donc on va avoir l'esprit un peu plus libéré. Voilà. Moi, je suis un peu plus timide que le reste. Puis, je m'excuse pour l'accent, des fois. Voilà, je commence par exprimer notre profonde gratitude pour votre générosité et votre soutien envers notre association. Pour les personnes atteintes de cancer, il faut savoir que la lutte contre le cancer, c'est une bataille complexe et émotionnelle qui impacte profondément la vie des personnes touchées. Grâce à votre contribution, là, géniale. Notre association est en mesure de fournir des soins de support essentiels qui apaisent la souffrance physique, émotionnelle et psychologique des patients. Que ce soit à travers des séances de thérapie, comme on avait dit, des conseils psychologiques, des groupes de soutien ou encore des services de bien-être, nous pouvons créer un environnement qui offre un répit et une compréhension bienveillante à ceux qui ont besoin. Au-delà de votre contribution financière, je tiens à saluer votre empathie et votre compassion désolé, envers nos bénéficiaires. Votre engagement envers cette cause témoigne d'une solidarité humaine précieuse qui donne de l'espoir et du réconfort à ceux qui en ont besoin. Votre don n'est pas seulement un acte de charité, mais aussi un symbole de l'amour et de l'empathie qui peut unir les personnes pour faire une réelle différence dans la vie des autres. Et je pense qu'ensemble, nous continuerons à lutter contre le cancer et offrir un soutien sans faille à ceux qui en ont besoin. Je vous remercie encore une fois énormément. Alors, moi, je voudrais à nouveau remercier l'établissement scolaire, hein, qui nous accueille, qui accueille l'atelier de chant. Parce que sans finances, on n'a pas de locaux. Et vous nous prêtez gracieusement la salle de musique. Donc ça, c'est très important pour nous. Vous nous avez dit rapidement oui. Vous nous avez fait bénéficier de ces actions qui auraient pu aller à d'autres associations. Donc pour nous, c'est extraordinaire aujourd'hui. Et puis, eh bien, c'est aussi la preuve que dans notre société, qu'on décrit surtout comme égoïste, qu'aujourd'hui il n'y a pas que des égoïstes, il y a aussi des gens qui œuvrent pour les autres. Et les jeunes, voilà, moi je vous félicite de vous sentir concernés. Et cette jeunesse, elle est belle. Et continuez. Continuez et prenez soin de vous. Sachez que vous êtes acteur de votre santé et que la bonne santé, ça commence par respecter son corps, faire du sport, bien manger, ça passe par là. Il y a assez de maladies qui viennent sans qu'on puisse le prévenir. Donc, essayez d'être vigilant et respectueux de votre santé. Vous êtes des acteurs de votre santé. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. On Merci. est, enfin, on est très émus parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Donc, merci. On ne vous le dira jamais assez. Merci.